Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux meilleurs glitches sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont potentiellement vous rapporter 150 000 par seconde. Donc le premier glitch que je vais vous présenter peut vous rapporter 150 000 XP en une seconde, c'est potentiellement possible. Et le deuxième glitch peut vous rapporter aussi 150 000 XP en une seconde, c'est potentiellement possible. Donc les deux glitches que je vais vous présenter, les personnes qui les présentent, eux, gagnent 150 000 en une seule seconde. Donc là, moi, je vais tester les deux glitches avec vous et on verra bien combien je gagne. Donc, bien entendu, les XP sont complètement aléatoires. Alors, pour réaliser le glitch, il faudra aller dans le mode créatif de Fortnite. Ensuite, vous allez près d'un pad et vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 3890955562. 9, 0. Ensuite, vous mettez un point d'interrogation V égale 77 pour justement choisir la version 77 de la map. Bien entendu, écrivez exactement le même code que moi pour avoir la même version que moi parce que le glitch fonctionne uniquement sur cette version. Donc là, ensuite, vous acceptez le code et vous acceptez pour que la map se charge. Ensuite, vous attendez que la map se charge. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci à tous ceux qui likent la vidéo. Vous pouvez aussi commenter pour aider au référencement. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Ça fait super plaisir. Donc, quand la map est chargée, ben, vous rentrez dans la map tout simplement. Voilà, comme je suis en train de le faire. Là, le jeu va vous proposer de soutenir un créateur en appuyant sur triangle. Donc, si vous voulez me soutenir, ben, vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule, comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, vous acceptez et vous appuyez sur carré pour accepter. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire, mais merci à tous ceux qui le mettent, franchement, vous êtes des boss. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur carré pour lancer le jeu. Donc là, ils disent que je suis dans une version inactive de l'île, mais ce n'est pas grave, le glitch va quand même fonctionner, ça, ce n'est pas un problème. Je vais quand même gagner des XP, et quand je vais quitter le jeu, ben, j'aurai quand même les XP comptabilisés. Donc ici, sur cette map, il y a deux glitches. Le premier glitch que je vais vous présenter, c'est celui qui se trouve à côté du fusil à pompe primitif de l'assassin de la flèche. Donc ici, vous allez tout simplement construire trois rampes. Voilà, comme je suis en train de le faire, trois rampes. Ensuite, un plat. Ensuite, vous partez sur la gauche et là, vous allez construire 10 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 rampes. Ensuite, quand vous avez construit la dixième rampe, ben vous construisez un sol. Et là, normalement, il y a un bouton interagir. Donc, parfait. Vous appuyez sur le bouton interagir et là, vous retournez et vous allez au bord de votre sol. Et là, il y a plusieurs boutons à interagir. Donc, on va construire un sol là et un sol là. Ensuite, il y a 1, 2, attendez. 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Donc là, je vais appuyer sur les 5 boutons. Donc, la personne qui présente ce glitch gagne 150 000 XP en une seconde quasi, en appuyant sur les 5 boutons. Donc, on va voir combien d'XP je vais gagner, moi, tout simplement. Donc, hop, on appuie, tac, tac, tac. Donc là, je suis à 13 000, 16 000. Donc, voilà, je gagne pas les 150 000, mais je gagne quand même 22 000 XP. C'est plutôt quand même pas mal. Donc, bien entendu, vous allez pouvoir gagner peut-être les 150 000 XP. Vous allez peut-être gagner moins. Vous allez peut-être gagner plus. C'est complètement aléatoire. Donc, il faut tester le glitch et voir si ça fonctionne. Moi, le compte que j'utilise, ben, j'ai déjà blindé les glitchés avec. Donc, c'est peut-être pour ça que je gagne pas autant d'XP. Et puis, sur cette map, j'ai déjà pris énormément d'XP grâce à ces glitches. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça que je gagne moins d'XP. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui varie. Pourquoi je gagne moins d'XP qu'un autre ou pourquoi j'en gagne plus qu'un autre. Je ne sais pas exactement c'est quoi les paramètres. Pourquoi, du comment, je gagne plus ou moins d'XP. Alors, le deuxième glitch, je vais vous le présenter. Donc, il se trouve juste ici. Donc, c'est près de la Thompson. Donc, le premier glitch, il était là-bas. Donc, le deuxième glitch, c'est près de la Thompson. Donc, le deuxième glitch, ce que vous faites, c'est que vous construisez trois rampes. 1, 2, 3 rampes. Ensuite, vous construisez, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je veux dire écrivez. Non, vous construisez un plat, donc un sol. Et là, en plein milieu du sol, vous allez faire une émoticône. Voilà, pour valider l'emplacement. Ensuite, vous allez reconstruire tout droit
5 rampes, 1, 2, 3, 4, 5 rampes. Ensuite, vous construisez un plat et là, vous allez refaire une deuxième danse. Hop, comme ceci. Et normalement, ça doit me téléporter à un emplacement. Voilà, parfait. Ça me téléporte à un emplacement où il y a des matelas. Alors ça, j'ai pas trop bien fait quoi. J'ai pas trop bien fait attention à combien la personne qui présentait le glitch gagnait. Mais je pense qu'il gagnait quand même pas mal, dans les 20 000, 30 000. Donc on va voir combien moi je vais gagner. En fait, le but, c'est de se coller derrière le matelas. Comme je suis en train de le faire, voilà. Hop. Bah, là, j'ai pris 6 000. 210. Bah voilà, donc j'ai pris pas énormément, j'ai pas pris énormément, mais voilà, ça me donne quand même des XP. Alors si vous voulez gagner des XP sans rien faire, bah vous allez dans le matelas, et normalement, ah, comme ça m'a éjecté du truc, je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Donc n'allez pas dans les matelas, sinon bah, ça ne fonctionnera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la partie, attendez. Hop, je relance la partie, et... ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec le premier glitch que je vous ai présenté. Ok, ça ne marche pas. Hop, on va relancer la partie. Voilà, parfait. Le premier glitch que je vous ai présenté sur cette map, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement relancer la partie à chaque fois et reconstruire. Je ne sais plus c'était combien. C'était 3 sols. 3 escaliers. 1, 2, 3. Ensuite, 1 sol. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rampes. Et vous reconstruisez un sol. Ensuite, vous appuyez sur carré et là, normalement, vous pouvez réappuyer sur les boutons. Si ça ne fonctionne pas, voilà, parfait, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appuyer sur option et retourner à l'accueil, puis retourner dans l'île, puis refaire le glitch. Donc là, je vais vous présenter un deuxième glitch. Un glitch qui est vraiment très, très, très stylé parce que là aussi, ça peut vous rapporter 150 000 XP en une seconde. Donc le code de l'île, attendez, je vais le retrouver parce que... voilà, je le renote. Donc le code de l'île, c'est... 4, 7, 1, 8, 2, 2, 5, 4, 2, 8, 1, 3. Et là, vous allez marquer la version en écrivant point d'interrogation V égale 50 pour la version 50. Là aussi, il faudra bien écrire le code parce que la version, le glitch ne fonctionne que sur la version 50. Donc, par contre... J'ai fait une petite bêtise, je crois. Attendez. Ouais, j'ai fait une petite bêtise parce que j'ai effacé mes écrits. Donc, je vais revérifier la vidéo pour voir comment faire le glitch. Ok, c'est bon. Je me souviens. Donc là, quand la map est chargée, ben, vous rentrez dans la map. Ensuite, ben, comme d'habitude, il vous propose de soutenir un créateur. Donc, vous appuyez sur triangle. Vous mettez mon code créateur si vous le voulez. Donc, SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Ensuite, vous acceptez et là, ben, vous allez tout simplement appuyer sur option, puis ensuite aller dans menu, lancer le jeu. Donc, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre mon code créateur, mais merci à tous ceux qui le mettent. Franchement, vous êtes des BG pour tous ceux qui le mettent. Hein. Les autres, vous êtes tous moches. Non, je rigole. Faites ce que vous voulez, les potos. Donc là, quand vous êtes dans cette map, ce que vous faites, c'est que vous prenez cette arme-là. Donc, cette arme qui est le pistolet laser de Chimera. Donc, hop, vous en prenez 5 stacks. Moi, j'en prends 5 stacks comme ça, ben, je vais pas me faire déranger. Là, j'enlève le jump, enfin le grappin. Voilà, j'ai 5 stacks de pistolets laser. Ensuite, ce que je vais faire, c'est regarder ici, à côté du bouton support créateur. Ici, pas dans le coin. Bah, après, vous pouvez faire ça. Hein. Vous faites ça. Vous faites 6 rampes, comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous créez des plats, voilà. Et ici, normalement, il y aura un bouton qui va s'activer uniquement si vous dansez sur la plateforme de gauche. Hop, vous allez faire une petite émote. Et normalement, il y a un bouton qui va s'activer. Donc, s'il ne s'active pas, bah, c'est pas grave. Vous refaites une deuxième émote. Et normalement, là, il devrait s'activer. Voilà, là, le bouton est interagible. Enfin, interagissable. Enfin, voilà, on peut interagir avec. Donc, vous interagissez avec. Et là, ce que vous allez faire, c'est tirer. Donc, on va tester un truc. Pourquoi je ne peux pas tirer avec mon... Ah ouais, je ne peux pas tirer avec mon arme sur cette plateforme. Là, je peux tirer. On va mettre une plateforme plate ici. Là, je peux tirer aussi. On va remettre une plateforme ici. Là, ça ne marche pas. Donc, ça fait deux plateformes. Donc, celle-là, on va la casser. Donc, je peux tirer sur ces deux plateformes-là. On va mettre une plateforme ici à droite, à gauche plutôt. On va tirer. Là, je peux tirer. On va remettre une autre plateforme. Là, je ne peux pas tirer. Donc, ça fait
une plateforme à gauche qu'on peut tirer et deux plateformes à droite. Donc on va se mettre ici, je vais tirer à droite et je vais voir combien d'XP ça me donne. Donc là, ça me donne 254, 800. Donc la personne qui a présenté le glitch lui est monté à 150 000 XP en une seule seconde, les potes. C'était assez hallucinant. Moi, je gagne beaucoup moins d'XP, mais comme je vous ai dit, c'est complètement aléatoire. Donc là, je peux tirer en illimité, donc c'est plutôt pas mal. Je gagne des XP en illimité, mais je pense qu'à un moment donné, je ne gagnerai plus d'XP ici. Donc on va continuer à voir jusqu'où ça peut monter. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire ce glitch en AFK, bah, c'est que vous mettez un élastique sur votre touche tirée et vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc c'est plutôt pas mal, vous allez manger, vous allez dormir, vous allez à l'école, vous allez travailler et le jeu tournera et vous gagnerez des XP en illimité. Donc bien entendu, à un certain moment, vous allez gagner des XP pas aussi rapidement que là maintenant. Vous allez en gagner de moins en moins et ça prendra un peu plus de temps pour en gagner. Mais bon, vous n'avez rien à faire, juste à mettre un élastique sur votre touche tirée et ça fait le taf à votre place. Donc là, regardez, vous voyez, là, je gagne 272 par 272 toutes les 5 secondes. Donc voilà, il faudra mettre son élastique et toutes les 5 secondes, vous allez gagner 272. Alors là, je vais aller sur la deuxième plateforme pour voir combien d'XP je peux prendre. Là, je prends 204. Voilà, je vais tirer un maximum sur cette plateforme pour voir jusqu'où je peux monter. L'autre plateforme, je pense, de droite, elle m'a donné quand même 20 ou 30 000 XP, si je me trompe pas. Ou peut-être un peu moins, peut-être 10 à 20 000 XP, je sais plus trop, j'ai pas fait gaffe. Mais voilà, ça monte tranquillement. C'est très facile à réaliser, donc voilà. Alors là, je suis à 3008, 4000, 4002, 4004, 4008. 5100. Je pense que la plateforme de droite me rapportait plus d'XP plus rapidement. 5007. Mais de très peu, mais ça me rapportait un peu plus d'XP à droite, je crois. Bien entendu, comme je vous le dis tout le temps, les XP sont complètement aléatoires. Comme la personne qui a présenté ce glitch a gagné 150 000 XP en une seconde, vous, c'est possible que ça fasse pareil, ou c'est possible que vous gagnez plus, voire moins. Ça dépend. Moi, je glitch beaucoup sur cette map avec mon compte. Donc c'est peut-être logique que je gagne pas autant d'XP que la personne qui l'a présenté. Donc après, si j'aurais pris un nouveau compte que j'aurais créé, mais vraiment que j'aurais créé, peut-être que j'aurais gagné 150 000 XP en une seconde. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop leur système d'XP, donc voilà. Donc après, c'est pas tout, hein, parce que j'ai encore un autre glitch à vous présenter. Mais je vais attendre d'atteindre le maximum de cette plateforme. S'il y en a un, parce que... Ok, là j'ai l'impression que je ne gagne plus. Donc voilà, je gagne 216 par 216 toutes les 5 secondes. Donc on va essayer la troisième et dernière plateforme, juste ici, hop. Donc ici, ça me donne 120 par 120. Et là, c'est pareil, hein, vous pouvez monter jusqu'à un moment où ça ne vous donnera plus d'XP. Donc je vais pas vous montrer, je vais pas tirer jusqu'à la fin parce que ça va me prendre du temps. On est déjà à 12 minutes de vidéo, donc c'est un peu beaucoup. Alors là, je vais vous présenter l'autre glitch. Donc quand vous aurez appuyé sur le bouton qui était là, juste en haut, en plein milieu des deux plateformes, vous vous rendez près de la cabine téléphonique qui se trouve juste ici, et vous allez tirer derrière la cabine téléphonique, et là aussi, vous pouvez gagner énormément d'XP. Donc là, on va voir combien d'XP je gagne. 1000, 2000, donc ça monte par 1000, c'est plutôt pas mal. Donc moi, ce que je vous conseillerais, si vous voulez être en AFK, c'est de vous placer ici, et de mettre un élastique derrière la cabine. Comme ça, ben, vous allez gagner 1000 XP par 1000 XP toutes les 5 secondes. C'est beaucoup plus rentable que sur les plateformes que je vous ai présentées en haut. Après, bien entendu, c'est possible que cet emplacement vous fasse gagner moins d'XP que l'autre emplacement que je vous ai présenté juste avant. Donc, c'est à tester et voir lequel est le plus rentable pour vous. Donc là, on va essayer d'aller voir jusqu'à où ça peut me donner des XP. Donc là, je suis déjà à 24 000. C'est plutôt pas mal. 25 000, 26 000. Ça monte encore. Donc ça, c'est assez cool. On va voir jusqu'où je peux monter. C'est possible aussi que vous allez gagner 150 000 d'XP en une seconde à cet emplacement. Donc là, regardez, si je maintiens ma touche R1, je pense que au bout de 5 à 30 secondes, voilà, je gagne 1000 XP. Donc toutes les 5 à 10 secondes, voire 15 secondes, je vais gagner 1000 XP sans rien faire. Donc moi, je vous conseille quand même de se mettre ici si ça fait le même effet que moi. Donc là, on est plutôt à 10 secondes. Ouais, 10-15 secondes. Toutes les 10-15 secondes, vous allez gagner des XP. 1000 XP sans rien faire, donc c'est plutôt avantageux. Et c'est possible que vous gagnez 2000 XP, voire 3000, 5000, toutes les 15 à 10 secondes.
Donc voilà, c'est à vous de tester. N'hésitez pas à me dire combien d'XP vous gagnez dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de mettre mon petit code créateur dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le font. Ça fait super plaisir et ça soutient à mort la chaîne. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.